Bonsoir, Monsieur Guissormand. J'apprécie vraiment que vous ayez accepté de faire cette interview avec nous. Mais c'est très gentil de m'inviter. C'est toujours un plaisir que de discuter avec mes amis coréens et vous êtes une grande amie coréenne. Aujourd'hui, je voudrais vraiment discuter avec vous et connaître vos idées concernant les énormes changements que l'humanité traverse actuellement, votre perspective sur les prochains changements auxquels nous serons confrontés après avoir surmonté le problème du Covid-19. Le grand événement, c'est la prise de conscience mondiale de ce que nos destins étaient interdépendants. C'est-à-dire, nous dépendons de notre voisin, et puis d'un pays à l'autre, nous sommes totalement interdépendants. C'est-à-dire que je pense que l'humanité tout entière a pris le sentiment de cette unité. Il y a eu dans le monde auparavant des pandémies. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est la première pandémie à l'époque de l'Internet et de la couverture médiatique instantanée. Donc ça nous donne ce sentiment justement que nous sommes tous embarqués dans un même combat, une même difficulté. Bon. Certaines stratégies ont été plus efficaces que d'autres au jour d'aujourd'hui. Hein, ça n'est pas fini, mais au jour d'aujourd'hui, il est évident qu'il y a deux pays qui se détachent très clairement, qui sont la Corée du Sud et Taïwan. Et en Europe, l'Allemagne. Je pense que Taïwan, la Corée du Sud et l'Allemagne ont réagi très vite parce que ce sont trois pays qui savent ce qu'est le danger. Après, évidemment, il y a aussi entre ces trois pays des caractéristiques assez communes, la légitimité du gouvernement. C'est-à-dire que le peuple, et les élections l'ont montré en Corée du Sud ou récemment à Taïwan, le peuple fait plutôt confiance dans ses institutions politiques. Donc ça, c'est très important, cette légitimité des dirigeants. Et puis évidemment, une notion de solidarité collective qui est très enracinée. Vous, individus, vous êtes membre d'une collectivité qui vous dépasse. D'accord. Et que vous avez comme un devoir national de faire bloc avec cette collectivité. J'ai toujours été partagé sur la culture coréenne, parce que le côté positif, c'est cette solidarité nationale, mais le côté un peu qui m'a toujours embarrassé, c'est la répression de l'individualisme. Et finalement, j'ai eu un peu tort, parce qu'en cas de crise, il s'avère que ce sentiment de solidarité nationale doit l'emporter. Mais, et un peu entre balance, très clairement entre les deux, entre cette solidarité collective qui vient du passé lointain de la Corée, mais aussi une jeunesse qui est, je dirais, beaucoup plus individualiste. Et l'équilibre entre les deux n'est pas encore trouvé. Ce qui est important quand même, c'est que la Corée du Sud, en ce moment, est un exemple stratégique. C'est-à-dire, ça va au-delà de la culture. La stratégie qui a été menée contre le Covid-19 en Corée du Sud est la meilleure. Tout le monde est en train d'imiter avec un peu de retard ce que vous avez fait, les tests, la recherche des foyers de maladies, l'isolement des malades, tout ça a été extrêmement... Et ce qui est important, c'est cette notion de stratégie. Je crois que la Corée du Sud a beaucoup progressé, je dirais, depuis les années 60, parce qu'il y a le sentiment que la stratégie, c'est important, il faut s'inscrire dans le long terme. Très engagé, vous êtes dans le long terme, et ça, c'est une leçon. Et la Corée du Sud, tout d'un coup, mais apparaît comme une leçon de stratégie politique, stratégie économique et stratégie sanitaire. Alors que le monde traverse la crise du Covid-19, je pense que le concept de pays avancé change légèrement dans l'esprit des gens. Selon vous, quelle est la définition de pays avancé à l'avenir? Alors, ça c'est un vieux débat entre économistes et sociologues. Les économistes ont trouvé des critères qui combinent à la fois le revenu économique, mais aussi le niveau de l'éducation, mais également l'égalité entre les sexes, et on combine tous ces éléments et on classe les sociétés en fonction de cela. Alors, sans doute,
La crise du Covid-19 et la manière dont les peuples ont réagi va nous conduire à enrichir le classement. C'est un classement qui s'enrichit sans cesse. Et il est certain que la politique sanitaire, de même que les politiques éducatives, vont venir enrichir ce classement. Mais il ne faut pas trop raisonner en termes de classement. Je dirais. Il Classement faut de classe, ouais. réagir en termes de bien commun. D'accord. Et voilà, qu'est-ce qui profite au bien commun? Au bien commun de la nation, mais au bien commun de l'humanité. Quelles sont les premières mesures que nous devons prendre pour relancer l'économie? Écoutez, il faut pas relancer l'économie, il faut relancer le travail, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, bon, il est normal, je veux que les États aident les travailleurs qui ont perdu un emploi, les petites entreprises qui sont en faillite. Il faut leur faire des prêts à long terme très généreux. La Corée du Sud a été un exemple extraordinaire de développement économique depuis une quarantaine d'années, grâce à un système qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est la combinaison des tchébols et des petites entreprises. Alors on peut discuter des équilibres, de l'harmonie entre les uns et les autres. La Corée du Sud a fondé sa prospérité sur l'échange. Donc, il faut continuer cela. Il ne faut absolument pas détruire ce qui marche. Il faut simplement aider les travailleurs et les entrepreneurs à retrouver le chemin du travail. La culture coréenne introduite à l'étranger se concentrait surtout sur la culture populaire, par exemple K-pop. Mais je pense que nous avons maintenant pu présenter la culture publique coréenne du point de vue social. Pensez-vous que ce phénomène contribue à renforcer la compétitivité de la Corée? Il est clair que la manière assez remarquable dont a été gérée cette crise sanitaire, qui encore une fois n'est pas terminée, a placé la Corée sur la carte du monde, et pas seulement pour la musique, le cinéma, mais l'a placée comme une société assez exemplaire dans un domaine où on l'ignorait. Donc on va regarder la Corée du Sud autrement. En conséquence, une curiosité nouvelle va se manifester sur tous les aspects de la culture coréenne, c'est certain. Je pense qu'il y aura une volonté de découverte de ce pays. Probablement des étudiants voudront venir, plus nombreux étudiants en Corée du Sud. Des dirigeants politiques, des dirigeants économiques voudront regarder ce pays de plus près. Donc jusqu'à maintenant, on a une image un peu toujours fragmentée de la Corée du Sud. Tiens, ils sont très bons pour faire des téléphones portables. Ah, ils sont très forts pour faire des gros bateaux. Cette musique pour les jeunes, c'est amusant et sympathique. Ah, ils font des bons films. Réussi jusqu'à maintenant, vont constituer une image, je dirais, plus unitaire, plus globale de la Corée du Sud. Et donc, ça aura évidemment un impact positif sur ce que vous appelez la compétitivité, mais surtout le premier impact, c'est le regard sur la Corée du Sud va être complètement modifié. On va la voir comme une civilisation en tant que telle. Mais quand même, souhaiteriez-vous dire quelques mots aux Coréens et aux citoyens du monde? À mes amis coréens, je voudrais qu'il y ait une participation plus active des intellectuels, des artistes coréens à la vie intellectuelle, artistique, débats internationaux. Je voudrais aussi que les Coréens acceptent les critiques. Merci beaucoup pour votre temps précieux et merci d'avoir partagé vos points de vue avec nous. Merci beaucoup.